pense entre autres à la pandémie, mais aussi à la lutte contre le changement climatique ou à la révolution numérique. Donner envie à nos jeunes, et notamment aux jeunes filles, d'être présentes, d'être présentes dans ces domaines d'études et ces carrières, ça constitue un enjeu de taille pour notre société. Pour y arriver, il est essentiel de changer la perception que les jeunes ont des sciences en général et des métiers qui sont liés. L'enseignement, dont vous êtes des acteurs essentiels, joue évidemment un rôle majeur pour atteindre cet objectif. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité organiser une semaine de sensibilisation qui aura pour cible les élèves de première secondaire en fédération de l'université. Le premier objectif, il est d'approcher les STEM par expérience et de façon interdisciplinaire afin de casser les idées reçues qui donnent une image à la fois négative et fausse de ce que peuvent être les métiers scientifiques, les métiers techniques. Yeah.
quelque chose. Tu as découvert ta vocation quand, quoi? Assez tard, en fait, parce que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire jusqu'à ce que j'arrive en recto. Et là, comme j'avais toujours été dans les sciences... Le secteur de la chimie est un des secteurs qui fait le mieux, en Belgique comme ailleurs d'ailleurs, et qui offre plein d'opportunités. La région wallonne possède pas mal d'entreprises assez bien cotées dans le domaine de la chimie et de la pharma. On a quand même un pôle pharma qui est très développé. Donc ça veut dire que si vous vous dirigez dans ces filières-là, non seulement vous allez bien gagner votre vie, mais vous n'aurez pas de problème pour trouver un boulot. Des sciences, il n'y a pas que dans l'histoire des sciences. Il y a un effet qui s'appelle l'effet Matilda, qui est en fait l'effet qui intervient lorsque ça se produit. Donc lorsque les femmes, au sens générique du terme, se font voler quelque chose par un groupe d'hommes, on parle de l'effet Matilda. Ça se produit bien longtemps en sciences, ça se produit dans les arts, dans la littérature, etc. C'est pas quelque chose de... Et c'est triste à dire, mais qui est rare. Au contraire, ça s'est passé énormément de fois dans l'histoire. Oui. Oui, tout à fait, c'est une très bonne question. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment, pour essayer de rétablir une égalité, il faut repondérer dans l'autre sens. Ce que je veux dire par là, c'est que... Si pour l'instant tu te fais fasciner par 70%, 80% de com sur des hommes qui ont fait des choses en sciences, ce serait bien d'arriver à 80-90% de communication sur des femmes qui ont fait des choses en sciences pour qu'à un moment on arrive au milieu et qu'on arrive à dire ok, en fait autant de femmes que d'hommes ont fait des choses en sciences. Et donc c'était aussi le propos de cette journée, et je suis d'accord avec ta remarque, hein. On aurait pu se dire bah oui, si on cherche à avoir une égalité homme-femme, pourquoi ne parler que des femmes? Mais tout simplement parce qu'à un moment il faut que tout le monde soit conscient qu'il y a eu des problèmes dans l'histoire. Et que ces problèmes ne doivent pas se produire. Et c'était aussi l'objectif de cette vidéo.